savez, l'historien, il n'a pas beaucoup d'ambition de rétablir que des vérités. Disons qu'il essaye de reprendre les documents et de voir ce qu'on peut dire avec ces documents. Alors, dans le cas de Cléopâtre, vous avez raison. La plupart des ouvrages qui lui sont consacrés sont des livres écrits de troisième, quatrième main. Les gens ne vont pas voir les documents ou les comprennent de travers. Donc moi, c'est vrai, j'ai repris tous les documents disponibles. J'ai essayé de les interpréter dans leur contexte. Donc j'espère avoir fait un petit peu progresser la réalité de l'image de Cléopâtre. Parce qu'en réalité, la Cléopâtre qu'on nous sert un peu partout, y compris à la télévision, c'est une reine qui n'a jamais existé. D'abord, on la qualifie de reine d'Égypte, c'est pas vrai, elle est reine. Elle n'est pas reine d'Égypte, elle est reine, tout simplement. Et son royaume dépasse de beaucoup l'Égypte, souvent. D'autre part, on la présente comme la dernière pharaonne, ce qui est absurde. Tous les souverains de l'Égypte sont pharaons, les empereurs romains l'ont été tous après elle, au moins jusqu'au IIIe siècle. Donc, c'est pas rétablir une vérité, c'est dire des choses qui sont banales pour les historiens, mais qui sont masquées par des gens qui prétendent écrire de l'histoire et qui n'en ont qu'un rapport très lointain avec l'histoire. Donc, rétablir des réalités, ce que j'ai voulu, c'est surtout réaliser, comment dire, remettre Cléopâtre là où elle doit être, c'est-à-dire comme reine, c'est-à-dire comme femme politique, comme femme qui a une ambition, qui a des projets et qui en même temps analyse la situation politique où elle se trouve. Elle sait très bien que Rome est toute puissante en Méditerranée. Elle le sait d'autant mieux que son propre père a été rétabli sur le trône en Égypte, à Alexandrie, par Rome. Donc elle n'est pas naïve. Mais en même temps, elle va essayer d'aller au-delà, non pas de se libérer des Romains, mais de retrouver la puissance de ses ancêtres grâce aux Romains. Alors, on a beaucoup insisté sur ces liaisons. Honnêtement, qui peut dire quels sont ses réels sentiments pour César ou pour Antoine? Bon, pour César, ça a été, je dirais, éphémère, puisqu'il reste quelques mois ensemble, elle le retrouve à Rome par deux fois, mais dans le fond, c'est entre 48, fin 48 et le printemps 44, donc c'est pas très long. Avec Antoine, ils ont vécu 11 ans ensemble, pas toujours ensemble, mais quand même, ils ont 3 enfants. Ça crée des liens quand même. Donc, parler de simple manipulation politique, ça me paraît très excessif. D'autre part, quand on analyse bien sa situation, on s'aperçoit qu'à certains moments, elle diverge d'Antoine. Tout simplement parce qu'elle a des intérêts qui sont, de fait, pas ceux d'Antoine. Et là, les intérêts d'une reine qui règne à Alexandrie, qui veut reconstituer un royaume digne de celui de ses ancêtres, avec des possessions en Syrie, en Cilicie, en Crète, pourquoi pas dans les Cyclades, bien sûr Chypre, Cyrène. Donc, ce n'est pas conforme, ou en tout cas, ce n'est pas toujours compatible avec les intérêts d'Antoine. Si on faisait une biographie d'Antoine, ou si je faisais une biographie d'Antoine, mais je n'en ai pas l'intention, je le dis tout de suite, de la même manière, je montrerais comment il a été victime de la propagande de ses adversaires. Il n'a jamais pensé abandonner Rome, il ne s'est jamais installé comme un potentat oriental, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens, et il a toujours soigné les intérêts de Rome. Donc, d'ailleurs, on le voit très bien, c'est que lorsqu'Antoine est vaincu, Octave reprend exactement sa politique au Proche-Orient. Donc, rétablir des vérités peut-être, mais ce n'est pas si facile, je veux dire, d'en faire l'inventaire, parce que ça porte parfois sur des détails. C'est plutôt une vision globale de Cléopâtre que j'ai essayé de changer, de montrer qu'elle est surtout une femme politique, une femme qui a des ambitions, une femme qui peut-être a des rêves de puissance, de rétablir de la puissance du royaume dont elle est l'héritière, et puis d'une femme qui, de toute façon, ignore aussi la fin de l'histoire. Parce que sa mort, son suicide, la défaite d'Axium, c'est pas inscrit au début de son règne. Donc le grand tort de beaucoup d'ouvrages, c'est d'écrire une biographie en fonction de la fin. Or la fin, eh bien, elle n'était pas écrite.